Hello tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau vlogmas. On est le 6 décembre. Je vais me poser juste là. Faites pas attention au bazar, s'il vous plaît. J'ai trop hâte pour cette journée incroyable. Je vous raconte un petit peu. Avant de venir à New York, j'avais fait une story où j'avais fait un ask en fait. L'une d'entre vous qui a dit qu'elle était à New York et qu'elle avait trop envie qu'on se voit, qu'elle avait pas de copine, etc. Ce que vous voyez dans le miroir. J'ai mis mon linge à sécher, j'ai pas les tendoirs. Donc j'avais répondu en story en disant est-ce qu'il y a d'autres filles? J'avais déjà reçu quelques DM et je m'étais dit en vrai, on peut peut-être organiser quelque chose parce que je sais qu'il y a des étudiantes etc qui n'ont pas vraiment d'amis ici et je me suis dit en vrai ça peut créer des liens, même si moi je suis là que pour un mois, peut-être qu'il y a d'autres filles qui pourraient se rencontrer et puis comme ça on fait un meet-up parce que j'adore vous rencontrer, j'adore vous voir, apprendre à vous connaître. Du coup vous avez été grave nombreuses à m'envoyer des messages. Du coup j'ai créé un groupe sur Insta avec toutes les filles qui m'envoyaient des messages et qui étaient à New York en me disant on verra ce qu'on fait et je me suis dit ok on va faire un meet-up, même si le mot meet-up c'est très 2012, les meet-up c'est le meilleur truc du monde, on peut se rencontrer, prendre du temps pour parler, surtout là à New York, donc on est forcément en plus petit comité qu'en France. Je me suis dit c'est génial, on va faire ça. Trouver une date où tout le monde est disponible c'était dur, mais on a trouvé une date, le 6 décembre, même si du coup il y a bien moitié des filles qui étaient pas dispo, enfin c'était super dur mais quand même. Et aussi où faire le meet-up, parce que déjà avec le Covid il y a plein de restrictions, il y a plein d'endroits où on peut pas rester à l'intérieur. Je savais pas combien on allait être, je savais pas si on allait être 15, 30 ou 50, je savais rien du tout. Donc du coup je m'étais dit comment je vais faire, surtout je connaissais pas un endroit où on pouvait vraiment se poser à plusieurs mais en étant détendu. Enfin je veux pas que ce soit une ambiance resto où on a 2 heures pour se parler, on est à l'autre bout de la table et on peut pas trop discuter. Enfin moi je voulais vraiment que ce soit comme entre copines quoi, enfin voilà, qu'on soit bien. Après des jours et des jours d'hésitation, de recherche, j'ai trouvé un endroit et ce sera chez moi. Pas dans mon appartement actuel, mais pour ceux qui ont vu l'appartement tour, on va faire ça en haut parce qu'il y a 58 étages, donc je pense que c'est assez d'étages pour trouver un moyen de se poser quelque part. Les endroits où on peut se poser dans l'immeuble, il y a le 31, sauf que le 31 il y a la clim de ouf et parfois il y a des gens qui travaillent, donc on va pas se mettre là. Mais il y a un autre truc au dernier étage, au 58 sur le rooftop, il y a jamais personne, donc je me suis dit vous savez quoi, on va se mettre là, on va pas s'embêter, il fait chaud, il y a une vue de malade. C'est un rooftop intérieur et extérieur, donc il y a une pièce où on peut complètement se poser avec des canapés etc, et on peut aussi aller voir le coucher de soleil à l'extérieur. Enfin je me suis dit franchement c'est parfait, on va faire ça. Sauf que il y a un point à ne pas négliger, c'est que les ascenseurs ici, comment vous expliquer, c'est pas particulier à mon immeuble, je pense que c'est partout dans New York, il y a 2 ascenseurs pour 58 étages et je peux pas vous dire le nombre d'appartements qu'il y a par étage, donc il m'arrive parfois d'attendre les ascenseurs genre 10 minutes et en sachant que pour aller au 58 il faut prendre un deuxième ascenseur et donc parfois il faut attendre vraiment longtemps bah, le premier ascenseur parce que bah, y a plein de gens qui vivent là. Donc je me suis dit comment on va faire, parce que si tout le monde arrive à un horaire différent, parce que je peux très bien dire 16h30 mais il y en a qui vont rater leur métro, il y en a qui vont être en retard etc, ça arrive. Donc je me suis dit enfin je vais passer ma journée à faire des allers-retours parce que vraiment parfois faut attendre 10 minutes l'ascenseur, faut le temps de descendre, d'aller chercher la personne, re-attendre l'ascenseur, remonter, prendre le deuxième ascenseur, vraiment ça peut prendre genre une demi-heure de faire un aller-retour. Donc je me suis dit on va donner des créneaux, en gros des points de rendez-vous. On a fait 3 créneaux, il y a 16h30, 17h30, 18h30, en sachant que c'est pas de 16h30 à 17h30, ça veut juste dire qu'il y a plein de filles qui arrivent à 16h30, il y a plein de filles qui arrivent à 17h30, il y a plein de filles qui arrivent à 18h30. Comme ça je fais que 3 allers-retours pour l'ascenseur, comme ça je suis sûre de passer du temps avec tout le monde et ça c'est cool. Donc voilà l'organisation, en sachant que la plupart des filles arrivent pour le premier créneau à 16h30, donc ça c'est cool. On va regarder le coucher de soleil ensemble et surtout aujourd'hui on va préparer tout ça parce que je peux pas faire tout un truc de meet-up, genre une déco et tout, parce que sinon je pense qu'on va se faire virer de l'immeuble clairement, ils vont me dire mais vous faites quoi là. Donc on va rester discret, on va faire juste voilà, j'invite quelques copines à la maison, on se pose en haut pour le coucher de soleil. Donc je vais juste acheter des petits trucs à manger, je pense acheter du coup plusieurs choses, comme ce sera un peu l'heure du goûter. Je pense acheter des cookies parce qu'en fait ici il y a des cookies qui sont incroyables, franchement c'est les meilleurs cookies du monde, c'est les cookies Levain Bakery, je peux vous assurer que c'est incroyable. Je vais en acheter quelques-uns et je me dis il y a peut-être des filles qui aiment pas les cookies, j'en sais rien, même si j'ai même pas enlevé qu'elles viennent si elles aiment pas les cookies. Je vais acheter aussi des donuts je pense. Il va falloir que je parte en expédition avec tous mes trucs. Là je suis en mode démaquillée, cheveux sales, y a rien qui va. Après on sera une full préparation, donc il faut que je me bouge et que j'aille voir tout ça. Et peut-être acheter aussi, je vais peut-être acheter de l'eau et des gobelets du coup. Chercher des donuts. Bon, je suis rentrée à la maison, j'ai bossé et j'ai commandé un peu à manger. J'ai commandé chez Joe & Juice,
petit sandwich et j'ai récupéré mes cookies et mes donuts. Je vous montre tout à l'heure. Il faut vraiment que je me bouge parce qu'en fait là c'est dans 3 heures que tout le monde arrive. J'ai pas fait de montage, je suis pas douchée, pas maquillée, j'ai rien préparé en haut. C'est la merde, c'est grave la merde. C'est trop bon, c'est avocat, mozzarella, pesto, trop trop bon. Ok, elles arrivent dans une heure. Regardez-moi s'il vous plaît là, avec mes chaussettes pendues. Il faut que je me maquille là. Je me maquille, je me sèche les cheveux, je trouve une tenue, je sais pas ce que je mets. Ensuite je m'occupe de préparer les petits trucs à manger parce qu'il faut que je les coupe et tout. En une heure. Oui bien sûr. J'ai terminé mon make-up, je me suis bien séché les cheveux, je les ai un peu lissés. Et maintenant, il est l'heure de choisir ma tenue. Et ça, ça me stresse. En même temps, qu'est-ce qui me stresse pas actuellement? Je ne sais pas quoi mettre. J'ai un jean qui est en train de sécher, attendez. Il n'y a rien qui me plaît. Ok, je vais faire des essayages parce que je sais pas. En vrai, je crois que je vais mettre ça. Du premier coup, un haut tout simple avec un jean et mes baskets. Et en vrai, j'ai pas le temps de choisir autre chose dans tous les cas. Alors, voyons voir ce que nous avons. J'ai acheté du coup des cookies chez Les Vins Bakeries. Ça sent là là. D'ailleurs je tiens à préciser parce que c'est important quand même. Moi je me suis fait tester hier. En ce moment on sait ce qui se passe. Voilà, on veut pas prendre de risques. Et il faut savoir que d'ailleurs à New York, en tout cas je sais pas si c'est partout pareil aux États-Unis, on peut se faire tester partout, tout le temps. Pas besoin de prendre des rendez-vous, pas besoin de laboratoire. C'est en fait, vous savez, les tests antigéniques qu'on a en France, un peu dans la rue partout, par exemple dans Paris. C'est la même chose ici, sauf que là il y a salivaire et PCR. Tout est gratuit. Et moi j'ai fait d'ailleurs les deux. J'ai fait salivaire et PCR. Et j'ai demandé aux filles, bien évidemment, si elles avaient le moindre symptôme, de se faire tester. Je viens juste de me laver les mains. Je vous montre juste la tête d'un cookie. C'est énorme et en fait par expérience un cookie c'est pour 2 personnes. Donc du coup j'en ai pris 6 et je pense que je vais les couper maintenant parce que j'ai pas envie qu'on s'embête en haut. Et j'ai pris des donuts chez Crispy Crème Donuts. J'ai pris des natures au sucre, des chocolats et à l'intérieur là c'est fourré framboise avec mes petits cookies. Donc ça je vais couper en deux, ça je pense pas couper en deux en vrai. J'ai aussi acheté des petits gobelets, c'est trop mignon, on dirait un anniversaire. De l'eau et même des petites boissons de la Croix dont je vous ai parlé dans le hall des courses. Regardez-moi ça. Trop pour moi là, j'ai envie de tout manger. Oh là 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 là. Vous pouvez pas venir à New York sans l'écouter, je vous promets. Mais vraiment prenez-en un pour deux. Et voilà, c'est prêt. Je vais vite aller déposer ça là-haut et aller chercher les filles. Et là, il est bientôt 17h30, je vais aller chercher d'autres filles. On est en train de parler des M&M's. Elle a acheté pour combien? 272 dollars des M&M's à Times Square. Championne. La touriste par excellence. Pas grave. Qui se fait avoir au premier truc. Donc, il est 20h30. On a commandé Uber. Franchement, on est trop bien là. Il y a des filles qui sont parties, mais je pense qu'on allait quand même rester. En vrai, on est trop bien et on va manger des petits Shake Shack. Le quoi? Mais non, mais je crois que moi j'ai mal sélectionné ce truc. Il commence à voir. Regarde ton ticket. Regarde. Tu as mis sur la bouche. Comment tu vas bouffer ça, meuf? Mais attends, mais c'est quoi? C'est un burger ou une salade? Attends, mais... Non, mais j'ai trop les nerfs. C'est un burger d'un burger sans pain, quoi. Et là, en fait, il y avait écrit laitue. Moi, je me suis dit, c'est dedans. Du coup, j'ai sélectionné. Ah, mais non! Ah, mais oui, il y a un burger sans pain. C'est ça, c'est bon. On partage tout, quoi. C'est la fin. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Gros bisous. Bye. Ça y est, je suis rentrée à la maison. Il est hyper tard. Il est 23h50. Enfin, je suis rentrée à la maison. J'ai descendu quelques étages. C'était trop trop cool. Franchement, ça m'a fait trop plaisir. On était vraiment, c'était comme genre entre copines. On était en haut, on faisait que manger. On a commencé par les cookies et les donuts. On a fini en Shake Shack. Tout le monde a pu discuter. Je suis trop contente parce qu'il y a plein de filles qui ont échangé genre leur numéro, enfin leur Insta, etc. Et c'était vraiment l'objectif qui est des gens qui se rencontrent. Donc franchement, je suis hyper contente. J'ai pas énormément filmé parce qu'au final, en fait,
fait je me rends compte que c'est tellement dur de filmer ce genre de situation. Enfin, tout le monde parle, c'est un brouhaha, genre c'est impossible de rendre ça bien en vidéo. Mais en tout cas, sachez qu'on a passé vraiment plusieurs heures ensemble et ça m'a fait trop plaisir. Elles étaient toutes trop trop sympas. Merci si vous regardez cette vidéo d'être venue. Franchement, ça me fait trop plaisir. Franchement, je suis trop fière de tout ce qui se passe et de pouvoir faire plein de rencontres comme ça et de voir un petit peu tout le monde. Franchement, ça me fait vraiment trop plaisir et je suis vraiment trop fière de ça. Genre, c'est vraiment une fierté de pouvoir mettre une story sur Insta et de pouvoir rencontrer autant de gens dans un pays comme ça. Bah, je trouve ça incroyable et je suis trop contente. Je suis crevée, je pense que ça se voit. Regardez juste la couleur de mes yeux. Il est super tard. Je suis encore maquillée. Je dois faire tout le montage de cette vidéo. C'est pas grave. Franchement, ça valait le coup de rentrer tard parce que je vous jure que c'était trop cool. En fait, ce que j'aime trop avec vous, c'est que j'ai l'impression qu'on se connaît déjà en fait. C'est vraiment cette sensation de. En fait, il n'y a pas cette relation genre abonné ou je sais pas quoi. C'est vraiment qu'une relation genre entre copines. Et quand je vous rencontre et à chaque fois on en discute et on a l'impression que c'est la même chose, genre j'ai l'impression qu'on se connaît depuis hyper longtemps et c'est ce que j'aime vraiment trop. Et moi en tout cas vraiment mon objectif c'est de connaître un maximum de personnes qui me suivent parce que genre vous connaissez toute ma vie mais moi je vous connais pas, donc j'ai envie d'apprendre à vous connaître de plus en plus. Et croyez-moi, là je sais que c'était à New York donc bah il y a très très peu de monde qui peut venir. Il y a plein de choses qui sont prévues mais ça prend du temps et puis là la situation actuelle voilà. Mais dans tous les cas, restez connectés sur Insta, sur YouTube parce que on va se voir. Faites-moi confiance, c'est une promesse. Je vais m'occuper de monter cette vidéo, faire la miniature, la mettre en ligne et aller faire dodo. Parce que demain, et comment est-ce que je pourrais vous spoiler la journée de demain? La journée de demain, c'est une journée qui va me coûter beaucoup d'argent, je pense. Enfin, vous allez voir, on va pas manger, on va pas acheter de trucs. C'est juste une journée qui te prend ton argent. On verra demain. Abonnez-vous à la chaîne si jamais c'est pas déjà fait. Je poste une vidéo tous les jours pendant tout le mois de décembre. Et 2 vidéos par semaine en temps normal. Activez les notifs et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Je suis active tous les jours et j'essaie de répondre à un maximum de vos DM. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve demain à 19h dans une prochaine vidéo. Mouah.